Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Formule habituelle, vous connaissez la règle du jeu? Oui. La chasse au trésor, c'est universellement connu maintenant, donc inutile de perdre du temps. Nous allons aujourd'hui en Belgique, dans la partie nord ou disons nord-ouest du pays, c'est-à-dire en Flandre. D'ailleurs, regardez la carte, c'est Bruges. Bruges et ses environs qui vont servir de décor pour cette nouvelle chasse au trésor. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire l'éloge de Bruges, tous ceux qui y sont passés s'en souviennent. C'est une ville extraordinaire par son architecture, par ses trésors d'art, capitale de la peinture également, Van Eyck notamment. Bref, on a donné à Bruges tous les noms, Bruges la Belle, Bruges la Perle, Bruges la Venise du Nord, je m'arrête là. Comme vous le constatez, de Han là-haut, 13 km seulement. Bruges de la mer du Nord. Au milieu de tous ces canaux, au confluent d'ailleurs de ces canaux, qui nous mènent soit à Ostende, soit à Zeebruges, soit à Suisse ou à Gand. Bref, je crois que le décor est planté. Là-bas se trouve Philippe de Dieu le veut et son hélicoptère. Philippe doit nous entendre, vous allez nous dire exactement où vous êtes. Voilà, nous vous entendons très bien, l'équipe de reportage et moi-même, nous sommes donc prêts à démarrer l'émission à vos ordres. Nous sommes exactement à 5 km à l'ouest de Bruges, la Venise du Nord, comme vous le disiez tout à l'heure. Et d'ailleurs, on peut même préciser que si on avait fait l'émission il y a quelques siècles, eh bien j'aurais les pieds dans l'eau, puisque je crois qu'à cette époque, la mer venait jusqu'aux portes de cette ville. Ça ne vous aurait pas dérangé beaucoup. Ça ne m'aurait pas dérangé beaucoup, c'est vrai. Nous retrouvons avec plaisir notre pilote et ami belge Hector Lecomte, et puis notre spécialiste vidéo Thierry Pouget, et notre caméraman, le voici Jean-Yves Lemener. Voilà, donc vous connaissez tous ces personnels, tous ces gens qui avec moi s'amusent beaucoup à chercher un trésor, cher candidat. J'espère le trouver en 45 minutes. À vous de jouer maintenant. Alors je rappelle bien entendu que Philippe de Dieu le veut ne connaît pas l'énigme, que je ne connais pas l'énigme, de même que vous ne la connaissez pas et pour cause puisqu'elle est là. Que d'autre part nous avons un handicap supplémentaire, mais il vaut mieux le rappeler de temps en temps, c'est que vous, téléspectateurs, vous verrez Philippe de Dieu le veut, heureusement d'ailleurs, et les images de Philippe de Dieu le veut. Les seuls qui ne voient rien, ce sont les candidats et moi. Nous nous contenterons donc de donner des ordres à Dieu le veut en parlant haut et fort, et le plus clairement possible pour qu'il puisse travailler le plus vite possible pour vous, parce que 45 minutes seulement. L'énigme, elle est là. Je ne sais pas quel message les producteurs ont imaginé cette fois. Pendant que je vous donne un exemplaire d'une énigme qui fait 4 lignes et demie, je vous rappelle que ces producteurs ont l'esprit tortueux et qu'en général, il faut lire chaque mot. Regardez bien. Donc, voici le texte. Je vais peut-être vous demander d'abord, pardon, de vous présenter quand même avant de lire le texte. Vous êtes Patrick Hubelart. Oui. Je viens de Glun, c'est une petite ville située sur la côte. Pas Gand, hein. Glun. 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 G-L-A-N-D. G-L-A-N-D, Glun. Une petite ville qui est située sur la côte, en Suisse, dans le canton de Vaud. Sur la côte du lac Léman. Côte du lac Léman, oui. Entre mi-chemin, entre Genève et Lausanne environ. Voilà, Patrick Hubelart et Catherine Hubelart. Madame Hubelart. Oui, c'est ça. Des enfants? Oui, un petit garçon. Qui a quel âge? 11 mois. 11 mois. Vous travaillez, non? Vous occupez non, de l'enfant? Non, maintenant je m'occupe de mon enfant. Et avant? J'étais employé de banque. Et Patrick? Je suis instituteur pour le moment. Instituteur pour oui. Le moment, c'est-à-dire? Pour toujours, je pense. En rêvant de devenir Philippe de Dieu le veut et reporter de la chasse au trésor à travers le monde. Alors Philippe, vous nous écoutez bien, je vais lire l'énigme maintenant. Après vous avoir présenté Catherine et Patrick, l'énigme. Ayant pris femme pour la troisième fois, il reçut de sa mie en gage d'amour la rose d'York. Nous l'avons accrochée à une aile d'un des moulins proche du lieu où ils furent unis. C'est vraiment une énigme. Je répète, hein, vous aurez peut-être plus d'inspiration à la deuxième lecture. Ayant pris femme pour la troisième fois, il reçut de sa mie en gage d'amour la rose d'York. Nous l'avons accrochée à une aile d'un des moulins proche du lieu où ils furent unis. Ah, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous trouvez donc cette rose d'York, puisque c'est manifestement ça qu'il faut trouver en 45 minutes, si vous le trouvez, cher candidat, vous aurez droit, puisque vous êtes suisse, à quelques 11 500 francs suisses, ça dépendra du change aujourd'hui, 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou bien 7 700 dollars canadiens, c'est-à-dire l'équivalent de 30 000 francs français, à la condition, bien sûr, qu'avec l'aide de son équipe et de son hélicoptère, vous ayez trouvé en 45 minutes
Au bout de 45 minutes, à la seconde près, vous entendrez le gong, il sera trop tard. J'ouvrirai, la réponse est là, nous comprendrons à ce moment-là, mais ce sera bien dommage pour vous. Vous pouvez gagner, on peut gagner à la chasse au trésor. Philippe, chrono en main. Le chronomètre est là. Allez, à vous de jouer maintenant, attention. Top. 45 minutes. Philippe, pendant que les candidats commencent à chercher, redites-nous où vous êtes à peu près. Oui, alors je précise un peu plus. Je suis donc sur le canal qui va de Bruges à Ostende. Voilà, celui-ci avec donc. Avec l'intersection du chemin qui va du village de Outave à celui de Varsenard. Le village de Outave à Varsenard. Vous êtes donc ici. Voilà, je suis à l'intersection de ces deux directions. Voilà, vous êtes donc plein ouest de Bruges. C'est cela même, à peu près 5 km de Bruges. Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez qu'il ne faut pas perdre de temps. Que quand on perd à la chasse au trésor, c'est généralement pour 30 secondes ou une minute. C'est donc la minute qu'on a perdue au début de l'émission, en général. Essayez de trouver à qui se rapporte la rose d'York. Oui, mais si vous mettez 10 minutes, pendant ce temps-là, on l'envoie prendre un café. C'est difficile de donner un point précis, mais je ne sais pas. On le fait décoller de toute façon. Ok, on veut bien aller prendre un café parce qu'il fait assez froid. Non, alors... Essayez éventuellement de déjà se rapprocher d'une agglomération, d'un endroit... C'est-à-dire Outave, Varsenard ou Bruges? Bruges plutôt. Dans les abords de Bruges, éventuellement. D'après le... Philippe, décollez déjà, hein. Décollez, mais regardez là. Vous voyez, vous avez ici l'échelle, hein. 4 km, 5 avec ma barre rouge. Ils sont à 5 km à l'ouest des premières maisons, hein. De l'agglomération proprement dite. Alors Philippe, décollez déjà au-dessus du canal et puis longez ce canal en direction de Bruges. Nous D'accord. cherchons, je le rappelle. Nous allons sur Bruges, hein. C'est ça, voilà. Vous marchez vers l'est. Nous cherchons une rose d'York accrochée à l'aile d'un moulin. Accrochée à l'aile d'un moulin. Oui, il y a beaucoup de moulins, je pense. Oui, justement, il y a beaucoup de moulins ici. Hein. Vous les voyez d'où vous êtes, là? Alors, non, là, je suis donc à quelques mètres au-dessus du canal que nous remontons donc vers l'est. Je ne vois pas de moulin pour l'instant, mais je vais peut-être poser la question à notre pilote qui doit en connaître. Non, mais pour l'instant, allez vers... prenez peut-être un peu plus de hauteur, allez vers Bruges, mais regardez si vous voyez des moulins, parce que on pourrait peut-être... Patrick, non? Il y en a, je pense que comme il y en a beaucoup, ça serait difficile. Oui, il n'y en a pas où ils étaient là, hein. Non. Alors, aller du côté où il y a des moulins? Non. On va vers Bruges parce que là, ça parle plus que les moulins. Mais si au passage, ce sera à vous de décider, si au passage il voit des moulins, est-ce qu'on s'arrête si... Ayant pris... Vous pouvez trouver quelqu'un qui pourrait nous renseigner éventuellement sur la rose d'York, alors sur un personnage qui a eu trois femmes, puisqu'il nous dit... Alors, un personnage qui a eu trois femmes, au moins. Oui, les studios, Oui. Non, le pilote, là, me disait qu'à Bruges, il connaît trois moulins. Il y a trois moulins qui sont connus à Bruges. Dans Bruges? Dans Bruges, il me disait, un peu à l'extérieur, un peu à l'est du centre-ville. Oui, dans l'agglomération, quoi. Mais, oui, absolument, dans l'agglomération. C'est trois moulins, paraît-il, qui sont assez connus. Mais est-ce qu'on peut se poser dans cette région? Oui. Mais le pilote, il ne connaît pas la rose d'York. Non. Nous cherchons, c'est une énigme alimentaire, parce qu'entre l'ami de pain et le jambon du d'York, c'est bien mystérieux pour l'instant. Hein. Vous êtes en pleine forme, Philippe. Non, je ne suis pas, je suis très, très étonné de... J'ai déjà vu les producteurs concocter des énigmes bizarres, mais celle-ci, ayant pris femme pour la troisième fois, il reçut de sa mie en gage d'amour la rose d'York. Après ça, l'accrocher à une aile de moulin, ça ne m'étonne pas, ça, en revanche. Mais je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a du vent ici. J'espère que les moulins ne tournent pas, parce que pour attraper une rose accrochée... Bon, vous arrivez près de Bruges, vous voyez des moulins, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il faut aller voir ces moulins. Non, je reprends un peu d'altitude, là, bon. Au-dessus du canal. Patrick, un petit peu par désespoir, après 4 minutes de jeu, vous propose de suivre les conseils du pilote et en allant vers Bruges, d'aller vers le premier moulin qu'il connaît. D'accord. Et puis on essaiera de se renseigner là. Ayant pris femme pour la troisième fois, ou bien la rose d'York. Bruges, une ville historique, une ville artistique. On est d'accord, Philippe, hein. Votre pilote vous conduit à l'un de ces trois moulins
célèbre de Bruges, le plus proche sur votre itinéraire. Voilà, d'accord. Et puis là, vous ferez parler. Essayez de... Je vous répéterai l'énigme pour que vous la répétiez. D'accord. Alors, 242. Alors... 5 minutes écoulées. Oui, vous avez un moulin ? Attendez, oui, j'ai une grande bâtisse devant moi, mais sur la gauche, c'est un moulin, ça, non ? Mais ça a l'air d'être un très vieux moulin, il n'y a pas d'aile aussi, hein ? On va survoler. Oui, et puis essayez de vous poser quand même, parce qu'il faut bien qu'on trouve un premier sens à cette énigme. Oui, hein. Je vais sur ce moulin, mais je vous affirme, je ne vois pas d'aile, alors donc ça ne pourrait pas être là. Ah oui, exact, hein. Exact. Enfin, je survole quand même, on est toujours dans la direction. Hein, donc Philippe, ça pas de temps, oui. Philippe, est-ce que ce moulin faisait partie des trois très célèbres ? Non, attendez, je demande, ce n'est pas les trois moulins, vous connaissez cela ? Ce ne sont pas les trois moulins que vous connaissez. Ah non, ça c'est le moulin de Zandweg. Ah, alors attendez, c'est le moulin de... Les trois moulins de Zandweg. Ah bon, on y va. Les trois moulins sont à l'est de Bruges, à 1 km d'ici. D'accord, on y va. Ah oui, mais ils sont à l'est, alors ça vous fait survoler la ville. Eh bien écoutez, oui, survoler la ville... Elle me dit 1 km, hein. Survoler la ville et aller. D'accord. Bon, Patrick, je vous trouve bien silencieux. Bien fouineur c'est dans les livres, mais alors... C'est difficile à trouver le début. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous cherchez, en fait ? Un moulin, je cherche éventuellement un moulin qui serait connu, parce que je pense que... Oui, mais... Parce qu'il y a une énigme sur un moulin, c'est pas n'importe quel moulin, ça doit être un moulin qui a relaté, qui était... Éventuellement... D'un des moulins proches du lieu où ils furent unis. Ce qui risque d'être célèbre, c'est le lieu où ils furent unis. Ouais. Deuxièmement, je peux vous dire que ce... Monsieur, ce personnage qui signe trois femmes, au moins, il doit être relativement célèbre. Il a reçu, en gage d'amour, la rose d'or qu'il a reçue de son épouse, de sa troisième épouse. Est-ce que... Alors, chercher le moulin, c'est possible. Est-ce que la rose d'or, ça peut nous indiquer... Voulez-vous que je vous aide un peu? Je ne sais pas comment. Vous n'avez pas le guide bleu? Le spécialiste du guide bleu. Ah, voilà. Oui. Voilà, j'arrive donc en vue. Le pilote m'a montré des moulins. Oui, un, deux, et le troisième. Philippe. Oui. Vous avez en fait traversé toute la ville de Bruges. Pratiquement, oui, c'est ça. Voilà, donc on peut se poser là. On va se poser. Le premier moulin là, donc en effet, à 4L. Mais il ne tourne pas. Je vois que le deuxième, c'est du milieu de tour. C'est très joli. Oui, Philippe, oui. Philippe, à moins d'un miracle, hein, il m'étonnerait fort qu'au bout de 8 minutes seulement de chasse au trésor, par hasard, on trouve la rose accrochée à la première aile. Oui, je regarde, on passe juste à côté, je regarde... En revanche, posez-vous si vous le pouvez, demandez à votre pilote, oui. Et puis essayez de faire parler, peut-être... Ce sont des moulins historiques, il y aurait un gardien ? Écoutez, oui, ils sont très bien entretenus, ils sont exposés, si je puis dire. Oui. Mais un garde dans un parc, un garde... Non, il y a des personnes, donc, dans ce parc. Alors, je peux essayer d'en trouver. Hein, essayez de vous faire... De trouver quelqu'un qui, par hasard, pourrait connaître... On a trouvé quelque chose. Oui, allez-y, Patrick. Ouais. Le père comme le fils s'étaient mariés 3 fois, donc ça pourrait déjà être ça. À part cela, les deux hommes n'avaient presque rien en commun. Ouais. Attendez, Philippe. Oui. Philippe, oui. Avant de partir en courant... Oui. Vous êtes posé, là. Je suis posé, oui. Bon, attendez une seconde, parce que Catherine a trouvé quelque chose que Patrick va vous lire. Ah. Allez-y, fort. Le père, comme le fils, s'était marié 3 fois. Ce fut justement pour mettre au pas ce fils trop entreprenant que Philippe convoqua pour la première fois en 1464 les états généraux en l'hôtel de ville de Bruges. Attendez, alors... Il y a un Philippe, là. C'est en 1464... 1464... Allez-y, parlez fort, Catherine, parce que Philippe oui. n'entendra rien du tout là-bas. Alors voilà un nouveau Philippe de plus. Attendez, 1464. Ensuite, ce Philippe, c'est qui ? Et le père comme le fils, c'est qui ? Alors, mais Charles ne se laissa pas intimider. Il paya de sa vie sa légendaire témérité sur un champ de bataille glaciale à Nancy. Ça doit être Charles le Téméraire. Oui, mais attendez, j'ai l'impression que vous avez pris l'histoire au milieu. Si vous nous disiez le nom de la famille, ça nous permettrait déjà de chercher.
Qui est le père comme le fils? Dépêchez-vous parce qu'on perd du temps. Ça fait 10 minutes. Philippe de Dieuleveux est prêt à courir. Je monte quelques escaliers parce qu'il y a trop de personnes. Alors je suis à côté d'elle. Alors, attendez une seconde encore. Bonjour, que nous. Monsieur. Lors des noces de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York en 1468. Alors? Mais vous avez Marguerite d'York? Marguerite d'York? Oui, ben, elle a au moins une rose. Il y a peut-être un rapport. Donc alors, Charles le Téméraire. Charles le Téméraire. Oui, j'ai l'impression que Patrick est tout ému là. Il a mis le doigt sur quelque chose. Alors, Charles le Téméraire, qui a épousé? Alors, Marguerite d'York. Marguerite d'York. Et ça se passe en quelle année? 1468. Bon, 1468. Donc ce seraient eux les personnages? Oui, je pense. On a trouvé les personnages. Alors, voyez avec les gens qui sont là, s'ils connaissent, s'ils savent quel rapport il peut y avoir, par exemple, entre ces moulins ou d'autres moulins, et Charles le Téméraire et son épouse Marguerite d'York. Pendant ce temps, nous allons vérifier si c'est sa troisième femme. Oui, vous parlez français, monsieur? Oui. Quel est le rapport entre Charles le Téméraire et Marguerite d'York, s'il vous plaît? Ah ben, il est conjugal, hein, je vous le dis. Puisqu'il l'a épousé, on vient de le découvrir, ça. D'accord. Non, le problème, c'est pas... Oui, entre ce couple et les moulins. Et les moulins, voilà. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas? Il n'y a aucun rapport entre les moulins et Charles le Téméraire. Pas à votre connaissance. Non. Et vous-même, monsieur, s'il vous plaît, y a-t-il un rapport entre Charles le Téméraire, Marguerite d'York et les moulins? Et les moulins? Non, je ne vois pas. Non? Non, je ne vois pas. Vous ne voyez pas qui pourrait... Non, Philippe. Ils se sont peut-être mariés dans un moulin? Non, Philippe. Oui. Demandez-leur justement où ils se sont mariés à Bruges, si quelqu'un le sait. D'accord, savez-vous où se sont mariés Charles le Téméraire et Marguerite d'York à Bruges? Savez-vous? C'est pas sur la grande place, où maintenant est le Café Granenbourg. Sur la grande place? Oui. Le Café Granenbourg, c'est pas ça? Le Café Granenbourg? Oui. Moi je ne sais pas. Moi non plus, mais je vous pensez que c'est sur la grande place. On pense que c'est sur la grande place de Bruges. Oui. Oui. Et la personne que vous interrogez est un simple visiteur. Vous êtes ici habitant de Bruges? Oui, je suis brugeois, oui. Oh, oui, il est brugeois. Oui. C'est donc pas un simple visiteur, c'est un non, mais il est responsable des moulins, non? Non, je ne pense pas que vous n'êtes pas responsable des moulins. Quel est votre travail, monsieur? Vous n'êtes pas responsable des moulins? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, qui est gardien de ces moulins ou qui serait conservateur à un titre ou à un autre? Savez-vous s'il y a des gardiens pour ces trois moulins que j'ai vus, là? Il y a un gardien? Oui. Oui, vous pouvez m'emmener à eux, s'il vous plaît? Il y a un gardien que je peux voir, là? Oui, vous pouvez m'emmener à eux, s'il vous plaît? Vous êtes gentil, merci. Catherine et Patrick Lachaise. Ah oui, ce monsieur est en pantoufle, mais ça fait rien. Oui, je fais beaucoup de votre travail, là. N'oubliez pas quand même qu'il est là pour vous, hein. C'est moi qui pour l'instant le pilote, mais faites-le travailler le plus possible. Il court, il voit, lui, hein. Et il court vite. Il passe également en Belgique. Donc, n'oubliez pas de chercher, vous vous en servez au maximum. Faites-lui poser des questions. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, Patrick? Moi, je cherche Philippe, éventuellement son père, le père de Charles, qui s'est aussi marié trois fois. Oui, mais pourquoi vous ne cherchez pas d'abord Charles et Marguerite? Puisque Marguerite a l'avantage d'être d'York. Oui. Alors Marguerite, cherchez sous Marguerite. Oui, non mais même, cherchez plutôt Charles le Téméraire. De tous, c'est quand même l'homme le plus connu. Oui. Apparemment, il a un rapport avec Bruges. Marguerite d'York, éventuellement. Bah, si vous l'avez là, Marguerite. Mariage avec Charles le Téméraire. C'est oui. Comment? On peut entrer dans le moulin. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui, il y a quelqu'un. D'accord. On va rentrer dans ce moulin. J'y vais. Merci, monsieur. 13 minutes écoulées. Voilà, donc je viens de laisser ce monsieur qui m'a indiqué... qu'il y avait quelqu'un dans le moulin qui tourne, et je pars au pas de course avec Thierry et Jean-Yves. Mais où vous en êtes? Qu'est-ce qui avance, Catherine? Je trouve une chose. Oui. La porte du Spey a été mémorable dans nos annales. C'est là que fut reçue Isabelle de Portugal le 9 janvier 1401. Le surlendemain de son mariage à l'Écluse avec Philippe le Bon. Il en fut de même de Marguerite d'York en 1468 avec son mariage avec Charles le Téméraire. À quel endroit vous dites? Alors c'est la porte de Spey et puis le mariage c'était l'Écluse. À l'Écluse de? C'est pas précisé. En majuscule. Bon alors ben écoutez. C'est ici que les Brugeois firent tant d'honneur aux frères de la mariée. Bon, ne perdez pas la page, la notez-la peut-être, c'est 500. 44. Ouais. On risque d'y revenir. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit à Philippe? À vous de jouer. Qu'est-ce que vous voulez demander à Philippe? Bonjour, monsieur. Il n'y a pas un gardien? La porte. Où est-il?
Attendez, ne mélangeons pas les choses parce qu'on ne s'en sortira jamais. Près de la porte du Spey, il y aurait éventuellement un... Non, écoutez, je crois que je sais que c'est difficile, mais pour l'instant, Philippe doit être en train de parler. Philippe, qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis en train de monter sur ce moulin parce qu'on peut y monter et il y a un gardien que je vais interviewer. Alors, Philippe, avant de l'interviewer, Patrick, je pense que c'est quelle question vous posez maintenant. Oui, d'accord. Allez-y. Patrick. Alors, est-ce que on parle d'une écluse là-bas? Non, mais quelle question voulez-vous? Quelle question voulez-vous qu'il demande à ce gardien? À quel endroit se marier justement Mais vous l'avez, ça. Marguerite York. Vous l'avez eu, ça, vous l'avez dit vous-même. C'est la porte de Spey. Porte de Spey, est-ce que c'est dans la région? Donc, voilà. Est-ce que ce gardien connaît la porte de Spey? La porte de fer. De Spey. Oui. Et d'autre part, est-ce fer, qu'il connaît... Fer comme le fer. Spey. S-P-E-R. S comme Suzanne. S-P-E-R. S-P-E-I. S-P-E-I-R. E-I, Spey, tout simplement. Spey. S-P-E-I. Deuxièmement, est-ce qu'il connaît un lieu proche de là qui s'appellerait l'écluse? L'écluse. Attendez. Pardon, monsieur. Connaissez-vous donc la porte de Spey et un lieu qui serait près de cette porte qui s'appelle l'écluse? L'écluse est là, à la porte dedans. Alors, attendez, montrez-moi cela. Je ressors. Pouvez-vous me montrer du doigt? Là, à la porte dedans. La porte de Dame? La porte de Dame. Et là, c'est le canal pour la ville de Dame. Attendez, montrez-moi ça sur le moulin. Voilà, ça c'est ici la porte de Dame, et vous êtes ici, sur le moulin de Bruges, et ici c'est Dame. Ça c'est le canal, et ici c'est l'écluse. Ah, l'écluse, d'accord. Avec le canal de Gand, en Ostende, et le canal de Bruges, à Dame-écluse. Ah bon? L'écluse serait où alors? L'écluse c'est ici. L'écluse, elle est au sud, alors? Non, elle me montre... L'écluse, à la porte de Dame. Ah, l'écluse, à la porte de Dame. L'écluse, pour les bateaux, oui. C'est ici. La porte de Gand ou la porte de Dame? Non, Dame. Dame D-A-M. Delta, Alpha, Mike, Echo. Oui. Bon. D'accord. Dites... Je peux lui demander s'il connaît des alors, moulins? Non, mais... et la porte de Spey, c'est quoi? La porte de Spey. Oui. Et la porte de Spey, où est-elle? La porte de Spey. Ça, c'est loin de Bruges, ça, c'est au nord de Bruges, nord-ouest. Au nord-est de Bruges? Ici. Ah, mais... Oui, c'est dans la canal d'Ostende. D'accord, alors la porte de Spey, ce serait près de... Si vous voulez, ce serait près du moulin que j'ai survolé tout à l'heure qui n'avait pas d'aile. Bon, alors, parce que... Demandez à ce monsieur, parce que Patrick a trouvé tout à l'heure qu'à la porte de Spey, Philippe Lebon, puis son fils Charles le Téméraire, s'étaient mariés successivement, d'après ce qu'il disait, au même endroit, porte de Spey. Ah bon, est-ce que savez-vous si Charles le Téméraire s'est marié plusieurs fois à la porte de Spey? Je comprends pas. Je suis pas sûr que ce soit plusieurs fois au même endroit, mais est-ce qu'il connaît l'histoire de Charles le Téméraire à Bruges? D'accord, connaissez-vous l'histoire de Charles le Téméraire à Bruges, monsieur? Oui, il est avec ses grands tombeaux à Notre-Dame de l'église Notre-Dame. Son tombeau est à l'église Notre-Dame? Oui, avec Maria de Bourgogne. Comment? Avec Maria de Bourgogne. Avec? Maria de Bourgogne. Ah. Oui. Et, bon, sinon, savez-vous, est-ce qu'il y aurait un rapport entre Charles le Téméraire, Marguerite d'York et les moulins? Oui. Il y a un rapport? Et il était mariés ici à Dame. Ah ah! Et ils sont mariés à Dame? Oui, ils sont mariés à Dame. Ils sont avec un grand cortège à Bruges, ici. Ah d'accord, écoutez, sur ma carte, Adam, sur ma carte, j'ai une carte Michelin et il y a un moulin, hein? Oui. Les studios? Oui. Moi sur ma carte, j'ai entendu. Adam, il y a un moulin, voulez-vous que j'y aille? Attendez, qu'est-ce que l'on fait alors, Patrick et Catherine? Ben, il faut aller voir ce moulin. Oui, aller voir. Le moulin, Adam. Donc. Je confirme, ils se sont mariés, Adam. Oui, ils se sont mariés, Adam. Alors, écoutez, vous y allez, nous avons quand même, apparemment, je résume, hein, Philippe. Avant que vous nous mettiez à courir. Oui. Je résume. Les personnages seraient donc Charles le Téméraire et Marguerite d'York. C'est cela. Ça se passe donc à Bruges pour le troisième mariage de Charles, près d'une écluse qui se trouve à la porte de Dame. Et on ne sait pas pour l'instant l'histoire de la rose, ni se trouve exactement l'écluse par rapport au moulin, mais vous allez voir porte de Dame, c'est ça. Voilà, c'est cela. Donc je vais à Dame, inscrit sur la carte, c'est au nord-est de Bruges, à 400 km.
Ah bon, à combien vous dites? 4-5 km, c'est cela. 4... Ah oui, c'est dame ici. 4-5 voilà. km, c'est cela. Oui. Bon, bien, allez-y. Vous voyez sur votre carte également? Très bien, c'est juste avant le confluent des deux canaux. Voilà, exactement. Et là, sur ma carte, il y a indiqué un moulin, alors j'y vais. Oui. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Puisque c'est le lieu où ils sont. Vous le remerciez, oui, dépêchez-vous parce que. Oui, là, je vous avoue que je ne peux pas courir parce que je suis en train de descendre une échelle. Non, non, quand je dis dépêchez-vous, ça veut dire que je le dis aux candidats surtout, il nous reste 25 minutes. Ok. Déjà 20 minutes écoulées. Très bien. Catherine, s'il vous plaît, dites tout à tout le monde. Je trouve la confirmation, en fait, dans le... Dites-le à Philippe, vous savez, lui, il n'entend rien, là-bas. Qu'en 1468, on y célèbre un faste mariage de Charles Téméraire avec Marguerite York. Et puis, une confirmation. Et ça se passe à... Adam. Oui, mariage de Charles Téméraire, je le sais. Ça, c'est dans le guide vert. Oui. C'est d'ailleurs, Dame n'est célèbre que pour ça. Dame pour ça. Et puis après, elle a perdu sa célébrité. Hein. L'ancien Esper de Zwin. C'était l'avant-port de Bruges. À l'époque, c'était donc manifestement un assez grand port. Oui, tout à fait. Alors là, Charles Téméraire tend à sa fiancée, Marie, l'anneau nuptial. Tenez, on sait qui c'est ça. Oui, dites tout, dites, allez-y. Oui, c'est parce que je vois des mots. Alors, il parle de l'hôtel de ville, Adam, ouais. Où Charles Téméraire aurait tendu à sa fiancée Marguerite York l'anneau nuptial. Donc, en fait, ça serait Adam, le lieu saint où il serait, en fait, épousé. Aucun doute, le mariage s'est passé à Adam. Hein. D'accord. Est-ce qu'on a bien confirmation que c'était le troisième mariage? À votre page 544, redites-nous la phrase que vous aviez tout à l'heure. 544, vous voyez qu'il faut toujours noter tout. Nous allons à Adam, hein. Pas de problème. Allez-y, Adam, aucun problème. Comment se présente la région maintenant que vous êtes sorti de Bruges? Adam. Ok. Philippe, vous nous raconterez un peu la région à nous qui ne voyons pas en sortant de Bruges. D'accord. Jean-Yves, pour l'instant, est en train de s'attacher avec Thierry parce que nous voulons les deux portes ouvertes. Alors, qu'est-ce que nous cherchons maintenant? Savoir si près de ce lieu de premièrement, si c'est bien ce troisième mariage. Mmh. On peut déjà voir ça. Et puis éventuellement, alors chercher dans le moulin qui est près du lieu de mariage, donc Adam, entre... Dans le moulin? S'il y a un moulin tout près, d'après ce qu'il nous a dit, il doit y en avoir un. Oui. Ça pourrait être éventuellement celui-là. Mais pourquoi dans le moulin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas dans le moulin, sur l'épaule du moulin. Sur l'aile. Oui. Ouais, et il cherche quoi? Une rose d'or. Une rose d'or. La rose, mais est-ce que c'est vraiment une rose ou je sais pas. Ah. Ça peut être un blason. Ah, j'en sais rien, c'est à vous de nous dire. Effectivement, il verra peut-être pas de rose et il passera peut-être juste à côté. Est-ce que c'est vraiment une rose? La rose d'or. Vous aviez quelque chose tout à l'heure sur cette Marguerite d'or. Peut-être que vous pourriez en apprendre plus en retournant à ce texte. On est exactement à la moitié du temps. Oui, et moi je viens donc de prendre la direction de Dame. Je suis donc sur le canal qui va jusqu'à Sluis. Le canal qui va jusqu'à Sluis, donc au nord-est de la carte. Nous sommes d'accord, nous aussi sur la carte. Vous êtes ressorti de Bruges. C'est cela. Et vous suivez le canal de Bruges à Sluis. Voilà, et vous allez à Dame. En face de nous, un bateau arrive. D'ailleurs, nous sommes assez au ras de l'eau. J'espère qu'on ne va pas le percuter quand même. Hector. Ayant pris femme pour la troisième fois, il s'agit donc de Charles le Téméraire, semble-t-il. Charles reçu de sa mie, c'est-à-dire de sa femme, de son ami, en gage d'amour, la rose d'York. Question de Patrick, est-ce que c'est vraiment une rose? Est-ce que ça n'est pas un blason? Nous l'avons accrochée à une aile d'un des moulins proche du lieu où ils furent unis. Ils furent unis à Dame, Catherine nous a dit, dans l'hôtel de ville même de Dame. Vous dites parce que je ne vous entends pas. Alors, non, parce que c'est le moment où en fait, Charles Téméraire aurait passé la bague à Marguerite York. Il aurait passé la bague dans le palais, dans l'hôtel de ville. C'était marqué à l'hôtel de ville, oui. Dans l'hôtel de ville. Philippe, Dieu le veut, oui. Si vous ne voyez pas d'abord le moulin,
Oui. N'hésitez pas à aller à l'hôtel de ville. Posez des questions aux gens. À l'hôtel de ville de Bruges, alors? Non, de Dames. De Dames, c'est un tout petit village. Oui, mais hein. Hôtel historique, puisque Catherine vient de nous dire, mais je veux bien admettre que vous n'ayez pas entendu, que c'est dans cet hôtel de ville, en 1468, que Marguerite et Charles le Téméraire se sont passés la bague au doigt. D'accord, d'accord. Tout le monde qui... Ah ben je vois, c'est le moulin de Dames, là. Voilà, je vois donc face à moi, au bout de ce canal, sur la gauche de ce canal, le moulin, il a des ailes qui tournent d'ailleurs. Et j'y serai dans une minute, hein. Oui. 25 minutes. 20 minutes encore. Je vous donnerai maintenant le temps qui reste, hein. Alors, nous cherchons une rose d'York accrochée à l'aile d'un des moulins. D'un des moulins proches du lieu. Ah oui, c'est un des moulins proches du lieu. Oui, alors... Il se serait uni à Dames, et ce serait un des moulins proches du lieu. Ben, je vais regarder sur ma carte si je vois d'autres moulins, moi. Parce que... Vous là... avez sur votre carte des moulins. Attendez. Sinon, s'il y avait plusieurs moulins, Patrick, la question qui se pose, c'est de savoir si l'on tente les moulins les uns après les autres, ou si l'on essaie de se rendre... Il faut se poser pour demander à quelqu'un de la région... Si... Oui, mais vous savez, quelqu'un de la région, tout à fait par hasard, comme ça, je suis sûr que même vous, monsieur l'instituteur, à Gland, vous ne connaissez pas toute l'histoire de la région. Donc il vous faut du hasard, oui. Hein. Un sacré coup de chance. Vous avez vu tout à l'heure que c'est le responsable des moulins qui vous a raconté l'histoire. Bah, il... Oui. Je vous propose de survoler le moulin et de regarder si je vois une rose accrochée aux ailes avant de le poser. Oui, et puis sinon... Puisqu'il risque d'y avoir plusieurs moulins, moi je préférerais que vous alliez à Dames voir si à l'hôtel de ville il n'y a pas quelqu'un. Enfin. Tu peux nous renseigner sur le mariage. Enfin, survoler. En même temps que vous survolez la région, parce que ça n'est pas très grand, nous continuons à réfléchir. D'accord. Trouver quelqu'un qui peut renseigner plus précisément sur le mariage, le lieu exactement, puisqu'on doit trouver le lieu. Ce moulin se situe tout près du lieu du mariage. Donc. On se pose quand même au moulin, on prend le risque de ce premier moulin. Philippe, oui, ce moulin est isolé. Il est isolé, disons que 100 mètres autour, il n'y a rien, mais le village est tout près, il est à 300 mètres, enfin 200 mètres. Village, Donc il est isolé, oui, il est isolé, il n'est pas entouré de maison. Hein. Il vaut mieux aller au village, alors vous dites... Attendez, je refais encore un dernier coup d'œil pour voir si je ne vois pas de rose accrochée à ses ailes. Non, vraisemblablement, je ne vois rien. Est-ce qu'il est, il est fermé, ouvert? Est-ce qu'il peut y avoir... Il est ouvert s'il y a quelqu'un en bas, il y a un monsieur. Ah, hein. Bah alors descendez. Oui, je descends. Ah, bien sûr. Puisque, Patrick voudrait que vous posiez la question. Posez-le au moins au monsieur du moulin. Il doit bien savoir s'il accroche des roses sur ses pales. Exact, d'accord. Demandez si c'est bien là que le mariage... Si c'est tout près de ce moulin que le mariage a eu lieu. Le mariage avec... Ah, mais... On est sûr. Patrick, oui, Catherine a raison de vous dire, je crois, on est sûr. Oh, vous avez même le détail, ils ont vraiment passé, ils se sont passés la bague au doigt. Ah, ça c'est une autre question. La vraie question, c'est peut-être de demander, est-ce qu'il y a d'autres moulins que celui-là? Oui. Hein? Donc on vérifie, on regarde s'il y a la rose. Si la rose est accrochée, aucun problème. C'est entendu, Philippe? Oui, mais attendez, là j'ai quelques petites difficultés parce qu'il y a des animaux donc, près de ce moulin et la personne qui est donc au pied de ce moulin nous a fait signe d'aller nous poser beaucoup plus loin pour ne pas effrayer les animaux. C'est quoi les animaux? Ça, je crois que le gardien du moulin, si vous le dispersez d'abord son troupeau de chevaux, il ne va pas vous répondre ensuite, en tout cas. C'est pas un troupeau, mais enfin, il y en avait plusieurs. Et voilà, nous sommes sur le chemin avec l'équipe. Moins de 17 minutes. Il reste 17 minutes? Il reste 17 minutes. À peine. Ah, si c'est ce moulin, on devrait trouver. D'accord. Si c'est un autre moulin... C'est vite que moi, j'ai survolé plusieurs fois dans ce moulin, je n'ai pas vu de rose. Pose la question, s'il y a une rose accrochée aux ailes de ce moulin, et puis après j'irai voir d'autres moulins de la région, si vous voulez. Exact. D'accord. Patrick, expliquez-nous ce que vous cherchez pendant ce temps. Moi, je cherche Dames, plus précisément. Quand, allez-y alors. Différents endroits. C'est la confirmation, en fait, que Marguerite d'York serait bien la troisième femme de Charles le Téméraire. Oui. Parce qu'on n'est encore pas sûr, et puis... Tout à l'heure, dans un des passages lus par votre mari, j'ai bien cru comprendre que, comme son père, il avait épousé pour la troisième fois. Mais il s'agissait en l'occurrence de Marguerite d'York. Il y a un point que vous avez soulevé tout à l'heure, auquel vous n'avez toujours pas trouvé de réponse, parce que vous n'avez pas cherché, c'est... Est-ce qu'il s'agit bien d'une rose? Oui. Mais j'ai
cherché sur Rose puis York, mais en fait, je n'ai encore rien trouvé. Est-ce que vous avez trouvé des détails sur Marguerite York, qui elle était? Ça nous expliquerait peut-être. Vous savez, peut-être. Généralement, les énigmes de la chasse au trésor sont bourrées d'astuces. Hein. Et il y a toujours des pièges sous les mots. Une aile d'un des moulins. Là, je vois pas comment on peut nous avoir. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Venez au soleil, s'il vous plaît. Je voudrais juste savoir s'il y a une rose accrochée à une aile de votre moulin. Non, non. Il n'y a pas de rose accrochée à votre... Non. Non, écoutez, alors, je ne perds pas... Merci, monsieur. Excusez-moi, merci. Non, mais attendez. Patrick a des questions à lui poser. Est-ce que... Tout près d'un de ces moulins ou près d'un moulin... Est-ce qu'il y a d'autres moulins dans la région? Y a-t-il d'autres moulins dans la région, monsieur? Ah oui, Fouskerque. Comment qu'il y a... Fouskerque. Attendez, montrez-moi sur la carte, s'il vous plaît. C'est environ... Je prends le long du canal. À Fouskerque, oui. Ah oui, d'accord, je vois. Ici même, monsieur. Attendez, on regarde sur la carte ensemble. Fouskerque, c'est ça, ici? Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, oui, où voilà. Ça, à Fouskerque? Ah non, Fouskerque, pardon. Moi, je vois Fouskerque. Oui, encore plus au nord. Fouskerque, Sierra, Tango. Kilo, Echo, Romeo, Kilo, Echo. Oui. Voilà, c'est clair. Il est où? Est-ce que... Il y a un autre moulin dans la région? Non, non. Jusqu'à Oscar, oui, vous avez... Attendez, c'est sur ma carte, moi je vois aussi. C'est un moulin, ça, attendez. Oui, un... Celui, je crois qu'il tourne, celui. Mais c'est pas pardon, c'est dans le moulin d'Oscar. Un moulin d'Oscar. Bon. Résumez-nous. Il y en a un à Oscar et l'autre. Les deux moulins ont des ailes. Les deux moulins ont des ailes. L'autre se trouve où? Alors, l'autre sur ma carte, j'en ai un à Euk. Hôtel Oscar Echo, Kilo Echo. Ah oui, autrement dit, il faut que vous continuiez à remonter le canal. Voilà, c'est ça. Eh bien, allez-y. Alors, je commence par celui de Oscar. Oui, ça me paraît géographiquement logique, oui. Il vous reste 14 minutes. Est-ce qu'il sait éventuellement... Attendez. Où se sont mariés près de... S'il y a un de ces moulins dans la région, près duquel se sont mariés, justement, Charles Téméraire et... D'accord. D'accord. Savez-vous si Charles Téméraire et Marguerite York se sont mariés dans la région, près d'un moulin? Charles Téméraire et Marguerite York se sont mariés? Ça peut-être. Moi, ça serait long. Alors Il ne les a pas connus personnellement. Je crois que ce monsieur n'a pas de renseignements précis à vous donner. Mais je crois que Patrick s'entête un peu, là, puisque Catherine lui a dit tout à l'heure qu'ils se sont mariés à Dame. Alors Dame, effectivement, c'est proche de ces moulins. Ça, je crois que là-dessus, il n'y a pas de contestation. On va voir ces moulins. Oui. Vous montez le long du canal. À moins que vous ne cherchiez un autre lieu... Je vais essayer de passer. ...de la fête du mariage qui serait plus proche. Qui est-ce qui nous a lu l'écluse tout à l'heure? Je crois qu'on oublie beaucoup de choses en route. C'est vous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'écluse? Vous avez quitté le monsieur du moulin? Voilà, je viens de quitter. Je viens de passer entre les ailes du moulin qui tourne. Dites donc, oui. En remontant le long du canal jusqu'au moulin d'Oskerque, oui. Dites-nous donc s'il y a une écluse en passant. D'accord. Ah ben oui, il y en a une à Dame, là, hein. C'est l'écluse de Dame qui est juste derrière moi. Il y en a une, ici à Dame, au village. Mais il n'y a pas de moulin à l'écluse. Ben écoutez, non, parce que le moulin que je viens de voir, c'est un moulin avant. Parce que dans ce cas, un moulin et une écluse, c'est peut-être un moulin à eau, non? Non, non, l'aile. Oui, d'accord. Non, continuez, allez à Oudskerque. Oui, mais l'aile du moulin, l'aile d'un château, c'était une aile... Non, d'un moulin. D'un moulin. Non. Je crois me souvenir maintenant que l'écluse, Patrick ou Catherine, c'est vous qui aviez trouvé, c'était un nom propre et ça localisait un peu mieux. C'était Dame et l'écluse, le lieu du mariage. Oui. Mais nous cherchons un moulin, donc c'est un détail qui n'a peut-être pas une grande importance. Alors, cette rose... Mais attention, il ne vous reste plus que 12 minutes. 12 minutes? Oui, mais Philippe, c'est pas à vous que je dis, c'est à Patrick et Catherine. Oui, non, mais pour moi, c'est important aussi, 12 minutes. Bien sûr, mais vous avez une mission, vous allez à Oskerque. Oui, non, mais je pense aussi à Jean-Yves et à Thierry qui sont derrière, toujours. Moi, si c'est 12 minutes, je cours tout seul, devant. Non. Non, vous reprenez l'hélicoptère, vous n'irez sûrement pas à pied, là-bas. D'accord. Vous avez au moins 4 kilomètres, hein, pour aller. C'est ça, oui. Peut-être pas, 3. J'indique au pilote. 3 bons kilomètres jusqu'à Oskerque. Oskerque. Nord-Est. C'est cela. On continue donc sur le canal. Il sera sur la gauche du canal, direction Nord-Ouest par rapport au canal. Nord-Est. Oui, mais on quittera le canal vers le Nord-Ouest. On peut y aller en ligne droite. Voyez où c'est là? Pas de problème. Ok. D'accord. Le pilote a bien vu sur la carte. Nous y allons. À Oskerque, vous avez retrouvé quelque chose dans le guide? Non.
Bruges et ses environs, visite de la ville. Vous en êtes où? Je cherche, j'ai trouvé éventuellement les médaillons de Charles Téméraire de Marguerite. Alors c'est quoi? Il n'y a pas de précision là-dessus. Il y a porté à des changements entre 1468 et 1472. C'est alors qu'on inséra à l'intérieur de la cour les médaillons de Charles Téméraire de Marguerite Diop. À l'intérieur de la cour de? De l'hôtel Bladelin. Et qui se trouvait où? C'est pas marqué. Ah, seigneurie de Middelbourg en Flandre. Ah oui, mais c'est pas au Middelbourg, mais là vous allez nous perdre. Hein. En tout cas, il est trop tard maintenant pour y aller. Il reste 10 minutes. Donc, Cherchez éventuellement une autre signification à rose, avec ce médaillon. Oui, mais vous avez peut-être raison. C'est médaillon qui vous fait penser que la rose d'Yorck, ça pouvait être un médaillon. Vous restez avec votre idée du blason. C'est fort possible, hein. Mais j'en sais pas plus que vous. Parce que justement, c'est Marguerite d'Yorck qui nous disait médaillon. Voilà, je suis maintenant au-dessus, à l'intersection de Léopold Canal et du canal de Suy. Je vous répète que nous cherchons la rose d'Yorck que Charles le Téméraire aurait reçue en gage d'amour de sa troisième femme, Marguerite d'Yorck, et qui serait accrochée à l'aile d'un des moulins, proche du lieu où ils se sont mariés. Et ils se sont mariés, on le sait, à l'hôtel de ville de Dam. Oui, bon, ça correspondrait, là, de toute façon. Là, ça correspond, sauf qu'on ne sait pas ce qu'est cette rose d'Yorck. Est-ce que c'est vraiment une rose? Voilà, ok, le pilote a repéré le moulin. Patrick, vous voulez ajouter quelque chose? À 500 mètres de lui. Moi, c'est rien de spécial. Attendez, il y a deux moulins. Il y en a un. Juste devant nous, mais celui-ci n'a pas d'aile. Il n'a pas d'aile, donc, et ce serait l'autre. L'autre, il a des ailes. Oui, encore que méfiez-vous, hein. On nous fait souvent le coup, l'astuce peut-être, mais on verra ça après. Allez d'abord à celui qui a des ailes. Oui. Parce que celui-là, Jean-Yves est en train de filmer, il n'y a pas d'ailes, non. Par contre, celui-ci a des ailes. 8 minutes 30. Combien? 8:30. Une petite route bordée. Attendez, Patrick. Philippe. Oui. Écoutez une seconde. Une petite route bordée de peupliers le long d'un canal tranquille vous conduira jusqu'à Dam. Ce fut le port de Bruges, autour où toutes les marchandises du monde transistaient par le Tswin. Charles le Téméraire, au temps de sa splendeur, épousa ici Marguerite d'Yorck. Oui, mais on a... Adam. Oui, mais Catherine, c'est un vous petit canal. Les studios. Catherine vous l'a dit depuis un quart d'heure. Les studios, voilà, je viens de faire un tour du moulin, et Jean-Yves a repéré également dans son objectif une rose est dans une des ailes du moulin. Une rose est dans une des ailes du moulin qui ne tourne pas. Je la vois, on descend, il faut se atterrir. Mais au téléobjectif, vous êtes... Je vois absolument, on n'est pas loin, on est à 20 mètres du moulin, et je vois une rose vraiment en plein milieu de l'aile, une rose rouge, et Jean-Yves l'a très bien vu avec sa caméra, tu l'as bien vu, hein, pas de problème, on y va. Combien de temps reste-t-il? Parce qu'il faudra grimper un petit peu. Il reste 7:30, donc vous deviez arriver quand même. Oui, il faut grimper, j'espère que c'est facile pour monter, mais a priori, pas de problème, elle est à mi-hauteur de l'aile. Il faut grimper, dit Catherine. Et à votre avis, comment vous allez faire pour grimper? Écoutez, il faut d'abord que je passe une barrière et un barbelé, alors là, c'est un autre problème. Et les ailes tournent? Oui, non, elles ne tournent pas, heureusement. Elles ne tournent pas, et comment dirais-je, c'est comme une échelle. Attendez. Mais vous pensez que vous pouvez y arriver en combien de temps, à votre avis? Oh, ben là, j'essaye de passer ce bourbier, je suis... Philippe, il vous reste 7 minutes exactement. Ben, ça va, je pense qu'il n'y a aucun problème pour 7 minutes. Attendez. Aucun problème, cette rose, elle est à portée de ma main. Donc c'est vraiment une rose, hein? C'est vraiment une rose. J'ai très très bien vu. C'est d'abord Jean-Yves qui l'a vu en premier, il me l'a montré. Attendez, je passe le barbelé. Autrement dit, la rose d'Yorck, ça voudrait dire tout simplement la rose qui est... C'est la rose qu'on lui a donnée. Non, la rose d'Yorck. Il a reçu de sa mie en gage d'amour la rose d'Yorck. Si elle porte le nom d'Yorck, c'est que c'était pour cette Marguerite qui est Marguerite d'Yorck, c'était la fleur préférée, ou l'emblème, ou le... La fleur préférée, comme vous dites, qu'elle aurait donnée à son époux, en gage d'amour, en fait. Oui, ça, c'est ce qui est marqué. Mais je veux dire que c'est... Ça peut vraiment être simplement fleur, la rose de Marguerite d'Yorck. Voilà, parce que c'est une sorte de fleur, enfin une sorte de rose qu'elle préfère. Oui, mais on l'appelle bien la rose d'Yorck. Hein. Oui, c'est ça, mais j'ai absolument rien trouvé. On n'a pas dit lui a donné une rose. Non, mais... La rose d'Yorck, mais il n'y avait pas... C'est une sorte de rose. Ça ne va pas être commode, il vous reste 6 minutes maintenant. Pour moi, je vais pouvoir passer, mais je suis en train d'escalader, mais pour Jean-Yves, avec sa caméra, si peut-être... Non, mais il peut vous filmer d'en bas, on vous verra. Oui, d'accord. Et il est énorme, ce moulin?
Il est grand, oui, bien sûr. Attendez. Vous savez que vous êtes... Voilà, heureusement, les... Nos bras, tant que vous ne l'avez pas dans la main, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas droit aux 30 000 francs. Ok, mais là, ça y est, Jean, il a réussi à passer. Il est là, voilà, il ne me reste plus qu'à monter les ailes du moulin. 5 minutes, 20 secondes. Voilà, j'espère qu'il tient encore, ce moulin. Oui. C'est parti. Il n'y a pas de gardien pour vous empêcher de monter. Allez, je vais me compter les barreaux, il m'en reste encore combien, là? Deux. On a le temps, combien de temps? 5 minutes et 5 secondes. Aucun problème. J'ai la rose dans la main. Vous l'avez? Ça y est. Ah bon, bah alors c'était plus facile que... J'ai la rose dans la main. Craignait. Une véritable échelle. Je vais la lancer sur la caméra, mais il y a du vent. Hein. Non, voilà. Vous la montrez bien. Merci de cet effort. Hein. Je la lance quand même. Philippe, bravo. Oui, alors. Catherine, Patrick, on bravo. On a le vertige depuis là-haut. Oui. Je vous avouerai franchement... Heureusement que la rose est rouge, elle aurait été verte, je ne l'aurais pas vue. Ah bon? Oui, il y a peu de roses vertes, hein. À la rigueur des roses jaunes ou blanches. Dites, Philippe, bravo à vous, bravo d'avoir trouvé à chaque fois les deux personnages qui vous ont bien guidé, qui nous ont bien expliqué. Et bravo aussi à Catherine, parce que je crois que c'est Catherine qui tout à l'heure a trouvé vraiment avec l'hôtel de ville, alors que Patrick s'entêtait à se demander où s'était passé le mariage. Il nous reste encore 4 minutes. Je crois que rarement nous avons gagné aussi vite. Je vais tout de suite chercher la confirmation. Je pense que nous comprendrons les points restés mystérieux. Bravo. C'était encore pas sûr que ce soit Charles de Téméraire qui mira, parce qu'on n'avait toujours pas eu la confirmation. Je suis sûr que... Moi, je l'ai noté tout à l'heure quand vous l'avez dit. Oui, Charles de Téméraire qui, comme son père, épousait pour la troisième fois. Se marier pour la troisième fois. Et épousait, vous l'avez dit tout à fait au début. Bon, écoutez, on va comprendre tout de suite. Philippe, oui, vous êtes remis de vos émotions? Oui. Revenu à terre? Exactement. Effleuri? Effleuri. Né en 1433, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Je vais vous demander de couper peut-être 2 secondes votre micro parce qu'il accroche un peu. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, fils de Philippe le Bon, commença son règne sur les Pays-Bas à partir de 1467. Venu attendre sa fiancée Adam. On nous a dit pourquoi tout à l'heure, hein, à savoir c'était à l'époque l'avant-port de Bruges, la porte d'entrée. C'est dans ce village que l'évêque de Salisbury bénit le 3 juillet 1468 le mariage de Charles avec Marguerite d'York, sœur du roi d'Angleterre Édouard IV. Cette cérémonie somptueuse eut lieu dans la maison du bailli Eustache Witz, habitation encore conservée de nos jours. Je crois que c'est ce que nous avons appelé d'un bout à l'autre, nous, l'hôtel de ville, non? Voilà, hein? Oui. La maison du bailli, de toute façon, le bailli, c'était le maire de l'époque. Hein? C'est donc normal qu'il y avait près confusion des lieux. Le lendemain, les nouveaux époux prirent le chemin de Bruges. Ils entrèrent dans la ville par la porte Sainte-Croix, acclamée par toute la population brugeoise. Vous aviez trouvé ça tout à l'heure. La ville entière était en liesse, les rues étaient jonchées de fleurs et l'on avait tendu des draps d'or, de soie et des tapisseries. Le cortège princier défila, suivi par des représentants de diverses nations. Des joutes furent organisées sur la grande place et le soir on alluma des feux de joie un peu partout dans la ville. Les festivités durèrent pendant environ un mois. Ah, ça ne se fait plus maintenant, mais à l'époque c'était ça. Voilà maintenant l'explication de l'énigme, Philippe. Vous comprendrez pourquoi nous avons fait un peu lambiner, parce qu'on s'était un peu perdu au début. Ayant pris femme pour la troisième fois, ce détail est important, car tout comme son père Philippe le Bon, je vous dis, vous l'avez lu tout à l'heure, je l'ai entendu, sinon je ne connaissais pas l'histoire dans le détail. Tout comme son père Philippe le Bon, Charles le Téméraire se maria 3 fois. Il reçut de sa mie en gage d'amour la rose d'York. Cette phrase vous permettait de situer exactement quels étaient les personnages de l'énigme. York est le nom célèbre d'une branche de la maison royale d'Angleterre, les Plantagenets, dont l'emblème, alors ça nous ne l'avons pas trouvé, mais chance, ils ont quand même bien vu la couleur de loin, l'emblème de la maison d'York, c'est la rose rouge. Cette branche donna 3 rois, soit dit en passant, Édouard IV, Édouard V, Richard III, tous trois rois d'Angleterre. Avant d'être remplacé, c'est Plantagenet, par les Tudors. C'est la sœur d'Édouard IV, Marguerite d'York, qui donc épouse Charles le Téméraire en 1468, ça on l'a vu. Nous l'avons accroché à une aile d'un des moulins proche du lieu où ils furent unis. Le mariage de Charles avec Marguerite fut conclu à Dames, on l'a vu.
à environ 5 km donc de Bruges. C'est donc proche de Dam qu'il fallait envoyer Philippe et l'hélicoptère, ce que nous avons fait assez logiquement, d'ailleurs en remontant bien tous les moulins, aux environs de ce village. Et ça, c'est votre chance, à mon avis, notre chance. Et il n'y avait que 3 moulins dont les ailes subsistent encore. Les producteurs avaient choisi le moulin d'Ostkerk, c'est-à-dire que nous sommes montés jusqu'ici, jusque-là, alors qu'il restait encore un moulin à Heuk. En fait, le troisième n'avait pas d'ailes que nous ayons vues. Donc on a eu de la chance, parce que je crois que le troisième avec des ailes, nous n'en avons pas entendu parler, et Philippe n'en a pas entendu parler non plus. Vous n'avez vu autour de Dam, Philippe, que 2 moulins avec des ailes. Avec des ailes, oui, c'est cela. Oui. Ah, oui. Eh bien, d'après les producteurs et les Nîmes, il y a bien 3 moulins avec des ailes. On a eu beaucoup plus de chance qu'il n'y paraît, parce que ça aurait été dans le troisième moulin, on ne sait toujours pas où il est. Ah, écoutez, j'ai vu un troisième moulin, mais il n'avait pas d'ailes. Ah, oui, non mais là j'ai la réponse, hein, il y avait 3 moulins avec des ailes autour de Dam. Ah bon? Tant mieux pour nous, tant mieux, la rose rouge était écoutez, sur l'aile du deuxième. Je repasserai tout à l'heure et je vais vérifier. Vous repasserez, vous ferez un coup d'œil supplémentaire, oui, au moulin. Philippe, bravo à vous. Bravo à tous ceux qui vous ont aidé, à tous ces gardiens de moulin qui connaissaient assez bien. Vous vouliez dire? Je voulais le remercier pour l'effort qu'il avait fourni et puis pour l'aide qu'il nous a apportée. Mais avec son équipe, il est là pour ça, il est là pour courir et pour trouver, et il aime bien gagner. Je suis le seul à sourire après l'effort, mais il sourit aussi devant moi, la Thierry et Jean-Yves. Bravo à vous, merci à vous. Nous vous retrouverons, vous, très bientôt pour une prochaine chasse au trésor et pour cause. Bravo aussi à Catherine. Oui, c'est de la chance. Un peu peur au début. Oui, hein. Oui, quand même. Un peu ému, du mal à donner les ordres à Philippe de Dieu le veut. Patrick, bravo aussi. Vous aurez donc, on a dit combien tout à l'heure? 30 000 francs français en France suisse, ça fait 11 500 francs environ. 11 500, c'est ça. 11 500 francs suisse. Ça dépend le cours, mais enfin, c'est tout de même. Vous avez une idée de ce que vous allez en faire? On est très contents, hein, parce qu'on a quand même un enfant, il n'y aurait plus qu'un salaire, et puis c'est ça, on trouvera toujours. On a bientôt la voiture qui va. Pour remplacer la voiture, entre autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Le téléphone, vous permettez? C'est assez rare dans la chasse au trésor. Oui, les producteurs, oui. Non. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite, bien sûr. Oui, bien, c'est un rectificatif qui s'impose. La rose d'York, dont nous venons de parler pendant toute cette émission, contrairement à ce que nous avons dit, elle n'était pas rouge. La rose d'York était blanche. Alors, effectivement, le rectificatif s'imposait. Les producteurs se sont eux aussi trompés. C'est fait. Bravo à vous, bon retour à Gland sur les bords du lac Léman, bien jolie région. Bravo d'avoir si bien joué, de nous avoir fait jouer avec vous. Nous nous retrouverons tous très bientôt pour une nouvelle chasse au trésor que j'espère aussi fructueuse. À bientôt.